Voilà, on se retrouve pour le 20e épisode de mon aventure sur Diablo 3. Donc comme j'ai dit à l'épisode précédent, j'enchaîne la partie. Hein. Là donc, l'épisode précédent, on a refait un petit peu l'équipement. J'avais pas mal de retard au niveau du stuff. Donc j'espère que là, ça ira un petit peu mieux. J'ai pas mal augmenté mon DPS, même si c'est pas encore fou. Mais c'est déjà un bon début, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis aussi crafté une magnifique arbalète niveau 41. Donc il va falloir que je prenne 5 niveaux. Alors je l'aurai pas dans cet épisode hein, évidemment, mais dès que j'aurai le niveau, bah, je pourrai me faire plaisir. Ah bon, c'est pas fou, hein. Le up de dégâts est pas encore vraiment significatif. Même si normalement on est censé être légèrement mieux. Ah, je fais des 1600 au lieu des 1200 qu'on voyait. Mais bon, c'est assez rare. Donc j'ai légèrement augmenté le DPS, mais on voit que c'est clairement insuffisant. Ça c'est clair. Du coup, bah, on va continuer. Hein. Faudrait un moyen de mieux régénérer la haine en fait. Peut-être prendre un autre spell du coup. Genre le truc des bolas. Je sais pas trop. C'était quoi les compétences déjà, c'est pas ça? S, ok. Pavillon de l'âme, sentinelle. Vous déposez une tourelle sur le sol. Ah ouais, mais je peux pas me débarrasser de mon tourbillon de l'âme, ça c'est pas possible. Votre Brast, qu'est-ce qu'il avait d'autre à dire sur cette horrible bataille? Pas grand chose. D'accord. Ce jour-là, il n'y eut aucun survivant. Ici, on a quoi? Flèche des éléments, vous tirez une flèche enflammée qui inflige en même temps. Égale à 300% des dégâts de votre âme à tous les ennemis qu'elle traverse. Les a transformés en cannibales, et pire encore. Parce que là c'est 685, on va essayer celui-là. Et attendent la nuit pour frapper. J'ai une flèche qui inflige. Explose à l'impact en incendiant le sol. Donc ça peut être pas mal. Ça ralentit donc non merci. Ah, la flèche te divise ensuite en 10 flèches de vie. Est-ce que ça traverse? C'est ça que je veux voir. On va tester. On va voir ce que ça donne. Parce que le problème voilà c'est que. Déjà ça consommera moins de haine. Mais ce que je veux voir c'est si ça traverse vraiment les ennemis. Mais non, ça traverse tous les ennemis. Par contre c'est quand même pas mal. Parce que du coup, c'est juste à tirer une flèche comme ça. Et vu que ça crame le sol, pour mieux temporiser, ça fait mal. C'est moins de dégâts mais du coup, on fait un dot de feu. Ça c'est trop pas mal. J'aurais bien aimé que ça traverse par contre. Non c'est pas mal, pas mal, pas mal. Il me manque de la haine. Et au final, je suis peu gagnant j'ai l'impression au niveau du feu. Ah non, parce que je suis quand même en galère de haine. Je pensais que ça me permettrait de temporiser. Mais j'aime bien quand même. Tout sympa comme ça. Le fait que ça crame le sol. Justement combiné avec l'immobilisation du piège. Voilà, là ça permet, j'ai l'appui de flèche plus le machin qui fait du dégât. Là juste à soutenir lui. Ouais c'est pas mal, des manchettes. Ouais. Non mais là c'était plutôt même mieux. Alors est-ce que c'est les compétences qui infligent des dégâts de feu confèrent font 4% de dégâts en plus. Chance de coup critique augmentée. Du coup ça m'augmente légèrement le DPS. Je vais les prendre. Même si bah, j'y perds en armure et en PV. Du coup je suis à combien? La vitalité 930 et dégâts 2200. Enfin 1200. Ouais, je perds légèrement en vitalité, mais les 4% en plus sur les dégâts de feu, c'est pas mal. Alors par contre... En fait, je pense que c'est le sort de base qui permet de traverser, non? Explose un impact en incendiant... Ouais, mais... Tu as une flèche qui inflige à tous les ennemis qu'elle traverse. Lancer une boule de foot qui électrocute les ennemis, sa trajectoire et inflige un montant de dégâts égal à 300%. Je
Flèche divise ensuite. Son glacé. Je sais pas, on va tester un peu tout. En tout cas, je le trouve vraiment sympa ce truc. Alors là, c'est quoi? Flèche à fragmentation qui explose. Il faut jeter 4 grenades. Et on a. C'est pour chance d'être étourdi, donc c'est un CC. Au lieu de grenade, sur cette transformation, ça c'est plus de du DPS. Là par contre, tire une flèche de flèche, une qui pleuve. Oh! 3500 en 8 secondes! Pas mal ça. Un peu ce que ça. Ah oui, d'accord, donc c'est la zone est plus petite visiblement. Par contre, il dure plus longtemps et il fait beaucoup plus de dégâts. Ok. C'est parfait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah merde, j'ai pas enlevé la rune. Il faut plus de temps. On voit que ça touche beaucoup moins d'ennemis, mais par contre, ça c'est le taf. Clairement. Pas mal j'avoue, franchement. Pendant que LDW Gamer vient de se connecter. Ah oui, ça c'est un contact que j'avais pris sur vous. Qu'on avait fermé ensemble d'ailleurs. Et je voulais virer le la flèche incendiaire là. Flèche des éléments. Voilà. Merde. % des dégâts. Je pense que c'est moins bien, franchement. Oh, quoique. Parce que le fait que ça traverse, c'est quand même pas mal. Parce que là, ça me permet de toucher les deux ennemis. Mais non, je préfère quand même l'autre qui explose. Je préfère la rune de feu. Flèche incendiaire, ouais. Comme ça, ça fait une zone de feu au sol. Par contre, j'ai pas regardé du coup au niveau des passifs, j'avais quoi. S'il n'y a pas d'ennemis dans les 20 mètres, tous les dégâts sont augmentés. Dans les 10 mètres, pardon. Votre maximum de haine est augmenté. Donc ça, c'est de la régène. Vitesse de déplacement est augmentée quand vous touchez un ennemi. Ouais, c'est pas fou, ça. Les coûts en discipline de toutes vos compétences sont réduits. Les dégâts des ennemis touchés ralentis, leur tour de l'âme, sont... D'accord. Bénéficieux d'un bonus. On va aller de 0,5% de critique. Ouais, non, merci. Compétence de base génère 4 points de haine supplémentaires. Mais ça, je suis pas fan, mais en même temps. Ouais, non, on va laisser comme ça. Ce serait que la déplace, ça permet quand même de pouvoir avoir une meilleure mobilité, c'est quand même assez important. Voilà, là, il est stun, il reste dans le feu et du coup. Avec seulement une flèche et demie ou deux, j'ai pu. Voilà, j'ai rien consommé et pourtant j'ai pu le buter sans aucun problème. Donc celle-là est beaucoup mieux. En plus, voilà, quand ils sont paquets comme ça, hop, j'ai juste à mettre ça, je fais ça. Là, on va faire un petit flèche filet machin, voilà, ils sont tous là. Et là, ils prennent la sauce, hein, clairement. C'est la mort assurée. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal, j'aime bien. Ça change un petit peu de bah, du gameplay du coup de ce qu'on a vu au début. Depuis le début. Au début, hein, je sais pas. Permettre de mieux temporiser surtout. Moi c'est surtout ça que je vois parce que. Je crois que là la grosse difficulté justement c'est d'arriver à temporiser pour les niveaux d'assaut. Et là du coup bah, le fait de pouvoir mettre des zones de flammes comme ça, combiné à du CC, bah, ça fait le taf. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on aurait pas un petit event ou je sais pas quoi ici? Ah oui, attention! Il renvoie les trucs. Voilà. Du coup, on en était où là? J'ai exploré pas mal déjà, pourtant. Je n'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé un donjon annexe. Non, on a 10 minutes, j'aimerais bien trouver autre chose quand même, parce que du coup, ça va être un peu ennuyeux, puis voir un petit peu ce que ça donne en... dans un petit donjon, quoi.
J'avais juste à me promener, hop. À faire le truc. D'accord, lui, c'est... Ah bah oui, parce que ça cible à chaque fois les trucs en plus. Vous voyez, la mouche, elle est déjà à la moitié de sa vie. Juste à cause du dot de feu. Donc c'est quand même pas mal. Vraiment bien ce petit truc. Encore des mouches. Et les mouches n'aiment pas le feu, hein, c'est bien connu. Voilà, combiné en plus, voilà, un petit peu de DPS. Hop, on va en faire un petit test ciblé, voilà, comme ça, ça va un petit peu nettoyer la zone aussi là. Non. Attention aux mouches. Bon, ça va, elles font pas très mal les petites mouches là. Pas de trop en tout cas. Mais quand même, restez vigilants. Un oiseau, s'il vous plaît. Hein. C'est où t'as été fier toi? C'est un truc qui fait que t'as fier, non? Curieux, curieux, curieux. Ah! Ça c'est un des donjons de la cette quête. Caverne contient quelques gouttes de mon sang. Donc on va y aller. Au moins on avance un petit peu dans la quête principale. Alors je ferai pas 100% de cette map, hein. Ça c'est clair à mettre. Lui d'avance. Je trouve les 200 bah, directement à la sortie. À moins de croiser un donjon annexe, évidemment je le ferai. Mais sinon je vais pas faire. La map est très grande en fait ici, là j'ai à peine fait le. Je sais même pas si j'ai fait le tiers encore. À ce train, la pierre d'armes sera bientôt en notre possession. Terre. Du gel. Voilà, on va tenter du coup de découvrir, comme je disais, voilà, j'ai horreur d'avoir des élites à l'entrée. Mais on va tourner en rond ici. Hein. Les normaux c'est pas gênant, ils vont se faire dédonner. Avec justement le nouveau système, là vraiment intéressant. Donc, on les a oubliés, on fait ça un petit peu de dague. Même les champions là ils ont pris super cher. Hein. Par contre j'ai plus de skin, mais... enfin de haine plutôt. Voilà, fait un peu, on va finir à la main, prendre la gemme. Non, c'est pas mal, j'avoue. De toute façon, les dégâts comme ça de zone, j'aime toujours apprécier. Parce que quand avec le mage, avec le météore, justement, j'avais souvent le météore qui fait la zone au sol. C'est vraiment efficace. Pareil avec, il y a une hydre aussi qui permet, justement, une hydre qu'on fait popper à un endroit et qui permet de faire du DPS. Qui a aussi cette capacité. 20% de résistance à la foudre, rien à foutre. Ok, parfait. On continue. Alors on fait le passage, et là on voit qu'ils sont pires, je pense que c'est le templier qui a un sort de pire. C'est vrai que je peux pas vérifier ses spells, mais je vois que ça... Je vais mieux voir que ça... On continue à prendre le stuff, hein. C'est vrai qu'avant le blanc on le prenait pas, mais vu que maintenant ça permet d'avoir des compos d'artisanat, autant le prendre. Quand même... Hop, on boit un petit coup le temps. De faire ce crasher. Non, vraiment sympa en tout cas, j'aime bien. Je sais, je me répète hein, comme d'habitude, de toute façon on commençait à avoir l'habitude maintenant, je me répète. En tout cas, la chose que je n'ai pas dit à l'épisode précédent, mais n'hésitez pas voilà, à commenter les vidéos, c'est vrai que je le dis pas souvent. Mais j'aime bien avoir vos retours justement par rapport à certaines séries parce que bah, je reçois très peu de commentaires, enfin du moins très peu de commentaires constructifs, hein. Le peu de commentaires que je reçois, bah finalement ça m'aide pas vraiment dans mes vidéos. En tout cas, voilà, je sais que... Bah savoir justement par rapport au retour de cette série, si ça vous fait plaisir, si vraiment ça vous intéresse pas, vous regarderez pas la vidéo dans tous les cas. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que là je l'avais un peu mis à l'abandon justement pour finir mes let's play sur Factorio. Hein. Ce que j'avais dit d'ailleurs, je voulais déjà terminer les trucs en cours. Et j'avais beaucoup trop de let's play en cours et vu que celui-là avait très peu de vues. Ah ça marche pas l'immobilisation. Ça c'est un peu embêtant parce que du coup j'ai rien pour le jeu. Pour les verts ouais c'est assez embêtant. Du coup voilà, en tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur mes vidéos. Moi ça me fait
toujours plaisir et puis ça me permet d'avoir un petit peu une idée de la chose aussi. S'il y a des choses à améliorer ou quoi. En tout cas ouais, c'est vrai que c'était un bon moment que j'avais pas rejoué et là franchement ça me donne vraiment envie d'avancer. Même si voilà, j'ai peur que, comme je l'ai dit, voilà. Donc ça c'est faire attention. Ah oui d'accord, gel carrément et chaîne de feu. Carrément le feu sur la glace quoi, direct. Ah oui, en plus ils peuvent ralentir, donc attention. Et là on voit un niveau de temporisation, on pourra difficilement faire mieux je pense. Il me faut encore si on peut plus les. Si on peut les séparer même, c'est encore mieux. Nice. Un bon petit buff. Et toute seule, ça, les chaînes de feu ne fonctionneront pas. Chaîne de feu, faut vraiment faire gaffe que dès qu'on est pris dedans, la vie elle se fait sucer direct quoi. Donc vraiment faire attention à ça. J'ai même pas vu ce que j'avais gagné en stuff. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est celui-là. J'ai gagné ça. Dextérité, vitalité. Augmente les dégâts du tourbillon de lame. Comment mais ça je l'ai pas le tourbillon de lame. Ah si je l'ai. Du coup, est-ce que je le prends ou pas? Traverser d'inextricables labyrinthes. Comment ça se fait? Ah parce que je perds légèrement. Je perds très peu de dégâts. Par contre, augmenter le tourbillon de lame, ça je vais prendre. Parce que c'est un sort que j'aime bien. Du coup, on continue. Obligé de faire ma flèche élémentaire. Augmenter les dégâts de ça, c'est quand même plutôt bien. Même si je perds légèrement des DPS, globalement je gagne. Hein, Là, ce qui est bien en fait, c'est que pendant qu'il y a le dot de feu. Je peux très bien faire mon sort de base hein, qui ne consomme pas de ressources. Vous voyez là il se prend quand même les dégâts sur la durée. Et du coup bah, je garde un DPS plutôt correct. Oh. Et je gagne un petit légendaire comme ça pas à tout hasard hein. Ça fait longtemps justement. Petit légendaire comme ça qui tombe. Niveau combien du coup? 36 en plus, c'est cool ça. Un petit brassard, parfait. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Les compétences qui infligent des dégâts de froid. Super. Chance de coup critique augmentée, les dégâts que vous subissez sont réduits de 11% par ennemi étourdi situé à moins de 25 mètres. Pas mal. Pas mal du tout. Bah, je vais quand même les prendre puisque ça augmente les dégâts. Donc là je passe les 2000 de dégâts. 2200 de dégâts alors que quand j'ai repris le jeu, j'avais là j'ai gagné qu'un seul niveau et je suis passé de 1500 à 2200. Donc là clairement voilà, je vais être un petit peu plus tranquille je pense pour la suite. Là on voit que ça commence à être de mieux en mieux, mais bon ça ne durera pas hein, évidemment. Il faut constamment changer son stuff. J'ai une corde de plus à mon âme. Voilà donc niveau 37. Qu'est-ce que j'ai gagné de beau du coup? Frappe de glace. Ah du coup, peut-être essayer ça. Peut-être gagner mon bordel. Par rapport au légendaire ouais, qui m'augmentait les dégâts de la glace. Ah, il frotte pas le feu. Ouais, souvent j'ai tendance à rester au cac des verres parce que même si on prend des dégâts, ça permet d'éviter que le verre retombe sous terre en fait, simplement. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. On raconte que les croisés sont revenus et qu'ils veulent partir vers l'ouest. Mais qui sont ces grands guerriers aux cheveux blancs? Ils ne ressemblent en rien aux croisés qui ont quitté Tranétal il y a 200 ans. Et ceux qui résident dans les ruines de cette cité antique pensent à une supercherie. Dégâts des bolasses quoi, des flèches de feu. Donc ça c'est plutôt cool.
tourbillons de lame, là on voit clairement la différence. Hein. Entre le bah, les épaulettes que j'ai mis qui up les dégâts, plus bah, l'augmentation des dégâts que j'ai eu là, entre la chance de coup critique augmentée, plus le. Bah, le fait d'être passé à 2200 de DPS. Je sais pas si c'est vraiment du DPS, c'est à peu près, non? Oui, parce que je fais entre 1006 et 2400 maintenant. Alors qu'avant c'était entre 1002 et 1008, je pense. Même peut-être moins que 1800. En tout cas, ouais, j'ai un bon bout. Ah, et puis ça en plus, ça augmente, ça détruit tout ce qu'il y a dans la zone. Donc vraiment, vraiment une bonne. Un bon coup là, les nouveaux spells, ouais, j'avoue c'est vraiment sympa. Zone de feu, hop, on les bloque, on les bloque. Non. Ah, il est pas trop là. Là, là, une zone de machin, hop, on crame tout, c'est bon, ça fait toute la zone directe. Là on voit qu'on arrive à la fin de la grotte, du coup on va continuer à explorer ici. Pas de chauve-souris dans les trous. Pas bien grave. Il y a qu'un seul élite? Ou il y en a peut-être un autre ici, non? Ah non, il y a un étage, autant pour moi. Il y a un deuxième étage. Donc on continue. Quelles nouvelles épreuves nous attendent? C'est pas si mal que ça finalement les trappes. Hein. Peut-être parce que j'ai du bon stuff maintenant et du coup je prends moins cher aussi. C'est bien possible ça. Donc là il y a des chances qu'on croise des éléphants. La lumière étend son règne. Parfait. Donc ça c'est vraiment pratique en plus pour le truc de zone. Je sais, je me répète pas mal là. Je suis un peu à court de. Pour le dialogue en tout cas. On va arriver sur la fin de cette grotte à 22 minutes, donc c'est un peu d'avance. On s'arrêtera pas là, je pense. Bon, on verra, hein. Peut-être que je vais mourir, on n'en sait rien en fait. Hein. On n'est jamais à l'abri justement. Je vous rappelle qu'on est toujours en hardcore et du coup, je peux très bien me faire avoir bêtement. En général, on meurt souvent de la façon la plus bête qui soit. On a beau être vigilant et tout, on meurt toujours pleinement. Un peu comme j'avais fait dans l'épisode 2 à vouloir poursuivre le gobelin au trésor, ça c'était vraiment une erreur. D'avoir voulu faire ça. Ça va que c'était que le début des aventures, mais quand même. Pas déconner. Élite, non? Oh, des araignées de glace! C'est quoi ces trucs? Nomades de glace. C'est marrant ces trucs. Et vous ne saviez pas le coup? Elles ont téléporteur, non? Ouais, c'est bizarre. Du coup, là, mon spell de feu est pas des plus adaptés parce que vous voyez, il téléporte instantanément sur moi. Donc on va continuer à kite, hein, évidemment. On va les bloquer si on peut. Voilà, on a enlevé la moitié de leur vie, donc c'est cool. Surtout des pièges en fait, c'est le plus important, c'est les fessés là surtout, c'est pas la roulade. Pas encore prêt. Fais chiller aussi. Prends un peu de vie. Bon, ça va, pour l'instant je m'en sors plutôt bien. Par contre ça c'est chiant. Parce que du coup il se téléporte et il fait le spell direct. Ah là je fais une double roulade. Oh, on a carrément une bestiole qui s'est installée là. Ça c'est cool, je crois que ça réduit le temps de recharge des compétences. Comme ça. En plus les globes de vie permettent d'augmenter la durée du machin. Voilà, là il nous reste que le boss en plus. Il va faire des comptes, hein, évidemment. Éviter les zones d'orage. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Une arme d'as, donc rien à foutre, hein, clairement. Une arme d'as et cité traîtresse. Faut-il y voir l'œuvre du démon que nous traquons? Ah, ça, j'en sais rien. Les démons font ressortir ce qu'il y a de plus noir en nous, mais ce ne sont pas eux qui le créent. C'est vrai.
Même si certains ont plus de volonté que d'autres. Du coup, on était là. On était monté vers là, hein, je crois. C'est là où on avait croisé l'élite. Pas mal ça le fait, j'ai l'impression que ça les porte à tous sortir. Ça je savais pas par contre, tiens. Je vais cramer. Voilà. On continue, là on a encore un espèce de... Ça magnifique ces masses de verre moitié rongé par les... C'est bizarre parce qu'on n'a pas vu ça dans la grotte du gros verre dans l'épisode précédent. Alors ça aurait paru peut-être plus logique, hein. Puisque c'est un verre géant qui gardait l'entrée de la grotte. Bref. Ah. Oh, 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 on va pas pouler les deux packs, hein. On va éviter, voilà. Et là, on va faire cela. Comment ça, ta chaîne? Ah, d'accord. Téléportation chaîne. Ouh, ça, ça peut être très, très dangereux. Vous voyez? Là, directement, il s'est téléporté sur moi. Et il proc la chaîne direct. Donc, vraiment faire attention, là. Là, je peux mourir très rapidement, comme ça. Ça va, les kites, hein, évidemment. Vous voyez la vie, comment elle descend d'un coup. Comme je disais, la chaîne, ça fait hyper mal. Voilà, on va prendre quand même une petite potion. Non, pas encore. Comment ça, pas encore? Voilà, un instrument. Ok, donc là, il est tout seul maintenant, je ne crains plus rien. Mais vraiment, le combo des deux, c'est assez mortel. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. Pourtant là, je restais à peine une demi-seconde sur le machin. Mais direct, je passais dans la chaîne, boum, la vie, je perdais un quart de vie quasiment. Je pense que je devais perdre 10% par tick, et vu que les ticks se prennent très rapidement, on peut vraiment se faire surprendre et mourir en 2 secondes avec ça. Alors il me semble que les autres élites avaient également la chaîne de feu, les araignées, là, les petites araignées. Donc maintenant on va pouvoir aller les faire, on va quand même y aller prudemment. Ils étaient vers là je crois, non? Ils étaient là. Ils ont la même chose, ok. On va faire exactement pareil, dans les blocs. Et on n'hésite pas à rester le plus éloigné possible. Bordel. Voilà, on les immobilise évidemment. Pas hésiter à garder de la discipline parce que il faut que je puisse utiliser. Alors ça, ce qui fait le templier là, c'est très bien. C'est parfait. Ça va un petit peu. Lui il était proche, donc j'ai pu l'avoir sans trop de difficultés. Hop. La pluie de feu ciblée. Il fait son taf. On voit là clairement les dégâts que ça fait la pluie de flèche maintenant. C'est assez impressionnant et j'ai gagné absolument rien du tout. C'est marrant ça parce que c'est dans les conteneurs c'est encore dans un conteneur que j'ai trouvé mon légendaire alors que dans les trucs de base je trouve absolument rien. Et là je vois qu'on arrive à 30 minutes et finalement on pourra s'arrêter dans cette grotte. Je crois que je n'ai pas un mec. Voilà, et là le fait d'être resté au cac, vous voyez que ça a permis quand même de l'empêcher justement de s'enfoncer. Hein. T'en veux encore? Donc une bonne technique, même si du coup on se prend les dégâts évidemment, mais au moins voilà, ça permet de gagner du temps. Et de toute façon voilà, les vers c'est pas ça qui fait le plus de dégâts. Faut juste les tuer en dernier en fait quand il y a plusieurs groupes de monstres. Enfin je pense. Parce que sinon ils peuvent enfin les autres monstres peuvent nous embêter surtout.
On continue, on fouille, hein. On a vu que ça pouvait payer, donc on y va, on n'hésite pas. Ça, on va le garder pour maintenant. Jamais j'ai besoin de me régène. Merde. Le misclic, alors que je dis qu'il faut pas que je le prenne, je fais un vieux misclic dessus quoi. C'est sérieux les gars. L'enfer t'attend. Ah bah là avec la petite feu, ça fait ça. Et là par contre voilà, on voit que le, là la flèche élémentaire est vraiment utile également pour ce cas de figure. Gros groupement de monstres qui vient vers moi et du coup bah je pose des zones de feu au sol qui sont fait dégommer. Combiné au tourbillon de lame et à la plus de flèche. Bah clairement ça fait le taf. Alors du coup là on va avoir un boss au niveau de la map. Mince. Comment on fait déjà? Ah oui comme ça. Du coup bon, il me manque les zones là-bas, tant pis. De toute façon j'arrive à 31 minutes, du coup bah, l'épisode sera plus court que le précédent. On va juste voilà, récupérer donc le sang de zone du cool et là on a. Ah c'est même pas un boss en fait, je pensais que c'était un boss pour toi. Là, des gardiens inanimés. Guerrier de l'eau, c'est très bien. Parfait. Du coup, bah, on va s'arrêter là donc pour cet épisode qui sera plus court que le précédent. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.